du bien au travers de ta présence. Parce que la Bible déclare que là où deux ou trois sont en ton nom, tu te tiens parmi eux. Nous sommes heureux de savoir que tu es au milieu de nous. Afin de pouvoir à nos besoins. Parce que nous avons besoin de toi. Nous ne sommes pas venus pour regarder une personne ici à niveau. Et c'est toi l'Éternel. Toi Jésus-Christ, mort et ressuscité, assis à la droite de Dieu, puissant que tu es, capable de résoudre nos problèmes. C'est toi que nous sommes venus chercher. Et trouver ici à niveau. Nous te donnons une onction particulière de guérison, de restauration, de délivrance et de nous faire du bien. Je m'abandonne entre les Jésus. Or, toi qui es notre maître, je me soumets à toi, Jésus. Je me soumets à ta volonté. Utilise ma personne, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, que je prie. Amen.
Il t'a changé. Amen. Quoi? Afin de dire. Dieu a changé quoi? Oui. Elle m'a changé un coup. Je suis venu. Faut que mon fils, c'est Dieu m'a rentré mon enfant. Il a mis ton ventre. Tu as quoi ici? Ce qu'elle est venue, c'est papa à l'église, mais ce qu'elle est venue. Tu avais quoi? Ce qu'elle a fait là. Non, faut dire. Tu devines comme ça. Tu avais quoi? Non, ce qu'elle est venue, c'est là. Toi, tu avais quoi? Moi, je suis sorcier. Je suis sorcier. Mais ce qu'elle est venue, c'est là. Puis Dieu, tout il danse. Mais il danse. Parce que Dieu m'a il t'a changé. Il t'a croisé. Il t'a croisé, il t'a changé. Oui. La dame est une. Ma peau, y'a de l'eau, allez, on a pas la peau.
Allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ça va bien? Ça va bien. J'ai dansé fort fort. Oui. Dieu, il est merveilleux. Merci, Dieu te bénisse. Dieu, il est bon, non? Et Dieu est bon. Il est bon, il est merveilleux. Il est bon même. Ici, nous délivrons les gens de la sorcellerie. Tu es sorcier, tu es délivré. À d'autres, il faut les prier. Il faut que les sorciers meurent. Nous avons la compassion des arbres. Nous le regardons droit dans les yeux. J'ai tué. Et nous manifestons l'amour de Dieu qui consiste à pardonner. Amen. Amen. Oui, parce que le ministère, en tant que croyant, c'est l'amour. Pardonne nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous avons compris que la sorcellerie est une maladie. Nous avons compris très tôt. Nous avons compris qu'on ne vend pas la sorcellerie à Sokosé, ni à Kitash, ou à Franprix. Nous avons compris. Qu'on peut t'initier quand on gré. Tu veux pas, on peut t'initier. Tu peux sortir un matin, tu es sorcier. Mais comment sortir, c'est difficile. Parce que tu auras signé un pacte. Or, l'Église ne doit pas être celle qui condamne. Elle doit être celle qui délivre avec beaucoup d'amour. Amen. Ah oui. Amen. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, afin qu'on reconnaisse que vous êtes mes disciples. C'est l'amour. Cette femme, qu'elle est venue ici, tu as fait quoi quand tu es venue ici? Tu m'as attaqué, non? Attaqué. Pour faire quoi? Elle dit, avec c'est le prophète. Elle a mangé sauce. Donc, nous, avec Akassa, le maréchal, il dit, mais toi-même, dans ma base, c'est mon territoire. C'est mon territoire. L'état-major de la brigade a pris sauce. Ok, elle est courageuse, hein? Mais la voici là, c'est l'amour. Donc vous allez la tuer. Oh, moi je connais prière. Moi je peux exterminer avec le don que j'ai tous les sorciers d'un village. J'ai ce don là. Amen. On allait à Iroporia tout près là. On dit non, faut pas le prophète, tu vas décrire Canaries parce qu'il y a ce pouvoir, il y a ce don. Chacun sait comment il a rencontré Dieu, chacun sait comment il a un ministère. C'est ça, il dit vous êtes à Abidjan, vous attaquez sur ce, vous montez. Allez au village. Amen. Au sorcier Choco d'Abidjan, allez au village. Vous allez faire des nuits avec le village et les sorciers du village. Si tu as aussi, on va voir. Vas-y, sorcier, essaye. Faut pas détruire Canaries, ok. Faut pas venir attraper les sorciers, faut faire évangélisation. J'ai dit, ok. Donc, je demande dans quel village où il n'y a pas de sorcier. Non, ici, là. Moi, j'ai la capacité de voir des milliers de kilomètres. C'est une vision. Il y a ce don, là. Quand il y a un médicament quelque part, je sens ça. Chacun son don. Quand il y a un médicament quelque part, c'est celle. Je suis en train de marcher, que je sens. Et des médicaments négatifs, je le sens, une vibration. Ma tête tourne. Et puis je vois, pendant des minutes, je vois la profondeur où ça est. Amen. Je pétris ça au nom de Jésus. Et je continue. C'est le don que Dieu m'a donné. Il m'a fabriqué à cause des sorciers. Oui. Il m'a fabriqué à cause des sorciers. On va dans le village, c'est un dernier village qu'on vient de visiter. À 1h, 2h du matin, j'ai tourné dans le village. J'ai parlé. J'allais détruire leur aéroport. J'allais détruire leur marché. Une semaine après, le marabout du village a fui. Il est venu fouiller dans la brousse. Dans le village, chacun sait qui fait quoi, qui est quoi. On sait qui est sorcier, mais on a peur, on ne peut pas parler. Le plus grand sorcier est tombé 3 fois, 4 fois. Paralysé par le mal. C'est échantillon. Chacun a son don.
c'est la brigade anti-sorcier. C'est une unité spéciale dans le Seigneur. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, à partir du verset 3 jusqu'à 6, vous comprenez que la Bible dit qu'il y a diversité de dons et il y a diversité de ministères. Amen. Non, plus bien. Moi, le jour, tu as eu affaire à moi, que tu sais que tu as plus changé. Pour te mettre à terre, c'est facile. Oui. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amusement à part. Sorcellerie, non, je ne joue pas ça. Laissons amusement, nos prières, les sorcelleries, on ne joue pas ça. Si tu n'es pas loin, ils vont te manger. C'est pour ça que c'est la grâce de Dieu. Quand on les affronte, c'est la grâce de Dieu. Pas parce que j'ai le prophète Crasso. Non, le prophète Crasso le fait par la grâce de Dieu. C'est tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, il m'a attaqué. Moi, je pouvais exploser sa bite. Mais ce qui est en moi, ce n'est pas le mal. Ce qui est en elle, c'est le mal. Moi, j'ai l'esprit de Dieu. Amen. Elle a l'esprit du mal. Moi, j'ai un esprit qui est saint. Amen. Donc, ça c'est dans mon caractère, dans mon comportement. Alléluia. Elle m'attaque. Et je lui donne la possibilité d'expérimenter l'amour de Dieu. Amen. Amen. Non, mais bon, ce qui est en moi, c'est plus le mal. Ça n'existe plus dans mon cœur. Parce que ce cœur-là, et n'est-ce pas, Dieu sait dans ce cœur. Il y a la présence de Dieu dans ce cœur. Jésus-Christ, sachant que Judas allait le tuer, qui venait le prendre pour le vendre. Il avait déjà pris l'argent. Mais Jésus lui a donné un baiser en si d'abord. Oui. Tu me livres, je te donne un baiser. Amen. Pierre dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Celui qui a attrapé Jésus, lui-même les menottes, là, il a pris épée. Amen. Et de garder le silence. Laissez-tu faire. C'est la volonté de Dieu que je me retrouve dans cette situation. Jusqu'à la croix où il était crucifié. Il dit pardonne-les. Car il est seul par ses méchants. Mais l'amour de Dieu, véritable. Au lieu de faire des procès, de condamner, juger déjà les gens, ils sont sorciers pour que. Non, ils n'ont plus besoin de l'amour de Dieu. Mais si, Dieu, Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Tu es juste, Jésus n'a rien à voir avec toi. Jésus a affaire à ceux qui attaquent les pasteurs. C'est à eux que Dieu veut se révéler en manifestant son amour. Amen. Amen. Le chrétien doit être amour. Ce qui n'existe pas en eux, c'est l'amour, c'est de la haine. Parce que c'est ça, ils ont perdu ça. Ils ont même perdu le sens de la raison. Non? Ils sont plus amour. Or, le chrétien doit manifester l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons fait. Et je lui ai dit, je vais t'aider. Parce que tu as été trompé par Satan. Le diable t'a trompé, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Et elle est convaincue, je l'avais entendu danser, elle est convaincue qu'elle est en train d'être délivrée par la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que étant dans la sorcellerie, on n'est pas à l'aise moralement. C'est ce qu'on ne savait pas. On a une histoire où tu dois donner l'homme. Mais il y a des moments de lucidité où tu as un petit remords. Mais quand tu es dans une affaire, bon, que tu fais avec. Amen. Amen. Tu es obligé de faire avec. Or, quand Dieu te tend la main, parce qu'on ne sort pas de la confrérie sans la grâce de Dieu. On ne sort pas d'une confrérie comme ça. Tu es essayant de Dieu. Parce que tu as des secrets. Or, chez eux, c'est le pape du silence. Tu as les secrets. La confrérie. Tu ne vas pas sortir comme ça. C'est la grâce de Dieu. Donc le fait que Dieu est en train de la faire sortir de là, mais je comprends sa joie. Amen. Amen. Ah, je comprends sa joie. Amen. Parce qu'elle ne sera plus jamais en train de détruire. Parce que la sorcellerie veut dire on sort la nuit, n'est-ce pas? On détruit. Pendant que nous on dort, elle voyage. Amen. Amen. Nous t'aimons. Ça va? Dieu te bénisse. Ça va? Ça va.
Oui, c'est ça l'amour de Dieu. Tu vois, les gens font des choses, tu les regardes, tu as pitié d'eux. C'est ça l'amour. Oui. Tu sais qu'on n'est pas la même chose. Amen. Tu es convaincu que la personne et toi, on n'est pas la même chose. C'est ça. Il faut qu'on arrive à ce stade-là. Qu'il y ait une différence entre toi et celui qui est possédé. Lui, il commence à te détruire, toi tu veux le nuire. C'est pareil. Amen. Amen. En tant que croyant, tu lui montres un autre visage. Oui. La chrétienté, c'est une vie. Ce n'est pas une question de religion. C'est dans le comportement. Quand on est chrétien, c'est dans le comportement. C'est pas non, je me suis baptisé en 1900 par le père qui est venu d'Italie. Andriano, Ambrosiano, c'est lui. Il te donne un nom italien, quand tu trempes, il dit, ah le gars là, c'est un blanc. Non mais c'est un noir, lui c'est un blanc. Ça ne veut rien dire. Quel est ton comportement? On a vu les gens présidents de l'église, responsables de l'église, ils sont des sorciers. J'ai rencontré des pasteurs qui sont sorciers. Si tu n'es pas délivré, c'est une question de délivrance. Et regardez le comportement des gens. Leur manière de parler. Vous saurez s'ils sont délivrés ou pas. Leur intervention vis-à-vis des gens. Est-ce qu'ils sont amour? Vous savez, ils ont dit une chose, la chrétienté, c'est l'amour. C'est tout. C'est tout. Ce n'est que ça. Une fois que tu reçois l'amour de Dieu, il sera difficile pour toi de faire du mal à ton prochain. Quand il parle et que tu as mal, tu te retournes. Parce que tu ne peux pas te venger. Parce que ce qui est en toi, ce n'est pas la vengeance. Mais ça n'exclut pas de dire la vérité à quelqu'un. Hein? Moi, j'ai fini ça. Hein? J'ai eu affaire à moi. Ce qui pense de toi, il te dit. Hein? Bébé. Ah! Oui. Parce que la Bible dit, par moi, pour répondre à l'essentiel selon sa volée. Amen. Par façon, tu vois les choses là. Quand moi je récupère, je t'éclaire, je te dis ma vérité. Si on doit se séparer, on se sépare. Mais je n'ai pas peur, je ne pas dire que j'ai gardé des choses. Il y a des choses où, il y a des gens où vous n'êtes pas obligé d'être ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est rancune. Non, 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 non. On n'est pas obligé d'être ensemble. Amen. La séparation, c'est tout à fait normal dans certaines choses. Il faut qu'on se sépare. Parce qu'on ne voit pas de la même manière. Ne marchez pas avec les gens lesquels vous ne voyez pas de la même manière. Amen. Elles sont discernement. L'intervention de ta copine, ton frère, ah c'est ma copine, est-ce que vous voyez de la même manière? Sinon, c'est pas vous. La Bible dit que pour que deux personnes marchent ensemble, ils doivent s'attendre, d'avoir la vision. Amen. Amen. Or le chrétien doit être à vous. Après que là, quand on commence à attaquer quelqu'un, toi tu ne te mets pas ta bouche dedans. Non, 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 moi je ne vois pas en train de vilipender quelqu'un. Ça va? Dieu te bénisse. Pain sucré. Elle va pain sucré. La très chimie. C'est très chimie. Très chimie. Eh bien, beurre. Un peu. Mayonnaise. Mayonnaise, un pâté. Pain sucré. Eh bien, vous la regardez. Sois béni. Attention. Amen. Il faut manifester l'amour, n'est-ce pas? Elle va pain sucré. Pain sucré à goûter, hein? Ah, c'est ce que vous voulez entendre, non? Et ça marche bien. Ça marche, mais tu la cherches. Comment t'appelles? Ama. Tu cherches pour Ama. Tu cherches. Non, non, pourtant, il n'est pas pour. C'est pour Ama, là, qui est doux. C'est la même chose, là. C'est même. Moi, là, je suis. Si un maillot a le goût à Kobodi, et mon cœur, il prend ta voiture. J'ai dit, pourquoi? André, il est à l'eau. Pourquoi c'est pour toi, là? J'ai couru, puis ça vient dans ma tête. Regardez chez toi, regardez chez toi. Tu m'as possédé ou bien? Et son piment est doux. Ah, tu sais qui a amené la piment? La dame là, son piment, c'est pas le quoi, oh, c'est à l'eau que d'aller moi, il m'a dit, son piment est doux, hein. Ah, c'est qu'elle a mis dedans. C'est pour ça que la Bible dit que tout est sanctifié par la prière. C'est la grâce de Dieu. Il y a plus d'enfants du diable que des enfants de Dieu. Oui.
Si 10 personnes, vous allez trouver 2 enfants véritables de Dieu, les autres sont possédés. Parce que le diable est le prince de ce monde. Regardez les gens, quand vous êtes assis, regardez leur intervention. Parce qu'ils sont, ils ont plein de haine, l'esprit de vaillance, l'envie de détruire. On voit ça sur Facebook. Amen. Amen. Tu vas acheter un viande chez Boukari. Ah, pour lui, la douce, elle s'est même peu. Si j'ai acheté chez Boukari, je cherche à acheter chez Karim. Va venir m'inviter. C'est même viande là. Vous voyez? Heureusement que je ne mange plus viande. Vous avez dit, ah, mais oui. À cause de leur manière de parler là. J'ai déjà déterré plusieurs fois les canaries et la chair humaine. Il y a ça ici, les photos. Comment voyez les photos? Ah, vous dites comment ça? C'est vous pensez que c'est un esprit. Et sorcier dit, il a mis ton argent dans la canarie, pourquoi c'est un esprit? S'il a mis l'argent dans la canarie, nous allons détruire la canarie, prends ça. On n'est pas dans leur mise en scène, ils vous blaguent, qu'on a prié, c'est fini. Si je sais que c'est un second flat qu'on t'a mis dans le canari, tu m'as raison. Je les affronte. Je dis, le monsieur là, il n'est pas votre mouton, il n'est pas de manger. Vous avez envie de manger, allez près des cabris. Laissez-le. Maintenant, s'il y a cabri, il y a canari à déterrer. Je suis expert dedans. C'est mon don. Et je suis content de faire ce travail. Très fier. Malgré les attaques, de la sorcellerie. On est dedans quand même. On est dedans. Vous voyez ça? Vous criez. Tellement que ça a duré. Ça doit se déchirer un peu. Mais c'est comme ça. Comment ça se déchire? Vous voyez la chair? Voyez la chair. Ah, vous pensez? Ils ont tué en train de manger. Il y a un village qui a mangé pour eux. Comme ils mangent ensemble, on est pour une partie. Et les gens doivent les attraper dans un village. Si on a attrapé le canari, la personne qui est vivante ne va pas mourir. C'est passé dans son village. Ah oui, il est pris. Il est dit, pasteur. Agnago. Fresco. Il n'y a pas courant dans le village. Quand tu dors, ça fait coin, 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 coin. Nez à nez, elle la sorcellerie. Amen. Amen. On a reçu à capture du canari. On a fait sortir. C'était un congélateur. Là, tu n'as pas congélateur chez toi à la maison. Tu ne gardes pas bien là-bas. C'est vous qui ne connaissez pas ça. C'est pour ça que ça ne vous dit rien. Nous, quand on voit les gens parler, non sorcellerie, et puis ils ne voient pas en profondeur là. On ne voit pas ça comme ministère. C'est la publicité. Ils parlent, mais ils ne sont pas dedans. Sorcellerie bénie, toi, elle est la base à la source. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure que j'ai tellement vu des choses. Je suis allé déterrer les canaries. C'est mon don. Il y a ce don-là. Voilà. Amen. Amen. Et ce don-là, Dieu m'a donné ce don-là. Jésus m'a dit, aucun sorcier sur la terre ne pourra jamais, jamais te tuer. Amen. Aucun fétiche sur cette terre ne pourra jamais, jamais. Et c'est ma force. Parce que quand Dieu t'appelle, tu donnes une parole. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dieu, il t'a choisi, mais il t'a dit quoi avant de partir? Quand il appelait Jérémie, il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois aussi dans le début, je t'ai déjà appelé, et tu seras prophète des nations. Tu abattiras, tu lâcheras. Il y avait une parole qu'on appelle le Réma, que Jérémie avait reçu de la part de l'Éternel pour reçu son ministère. Chacun son don. Amen. Amen. C'est le don que j'ai reçu de la part de Dieu. C'est pour cela que nous, en 15 minutes, on peut délivrer un sorcier. 15 minutes.
En 15 minutes, sorcellerie l'a fait pendant qu'on on a naissance dans son corps. Les gens, ils délivrent les possédés, les victimes. Vous savez, il y a ce qu'on appelle victime de la sorcellerie. Hein? Et le sorcier, il t'attaque, c'est pas là. Ben, nous-mêmes, le sorcier qui t'attaque, on le délivre lui-même. Deux choses. Il y a des gens qui sont captifs. Ils vivent dans une captivité. Le sorcier t'envoie une maladie, c'est une captivité. N'est-ce pas? Une maladie, et tu tiens captif par une maladie. Amen. Amen. Ok, tu as besoin d'être délivré. Non seulement ça, toi, mais en même temps, le sorcier qui t'attaque, il est possédé d'un esprit de la sorcellerie. C'est un démon aussi. Et Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il faut que les démons soient chassés. Amen. Or, quand il dit, j'ai tué, j'ai gâté, ça c'est ce qu'on appelle les aveux. Ça ne le délivre pas de la sorcellerie. Nous chassons les démons. Parce que le corps, ce que nous voyons, c'est le corps. C'est un corps. C'est une enveloppe. Et dans l'enveloppe se trouve l'âme, l'esprit. Et l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? Et c'est dans ton esprit humain que vient loger l'esprit de la sorcellerie. Et si on dit, il est possédé. Parce que tu n'es plus maître de ta volonté. Tu ne peux plus te contrôler. Faut tuer l'enfant, tu le tues. Faut tuer maman, tu tues maman. Faut tuer papa, tu le tues. Amen. Donc quand on prend la personne, on délivre la personne de l'esprit, de la sorcellerie. Et elle reçoit des moments de lucidité, elle est libérée. Elle était possédée. Mais elle peut contrôler sa volonté. Amen. Elle contrôle sa volonté. Quand le gars dit fait, elle fait pas. Elle a la maîtrise. Elle fait plus ça. Mais quand elle est possédée, quand l'esprit dit attaque, tu attaques. Après, tu regrettes, tu es possédé. C'est comme une personne qui est folle. Quand elle commence à avoir l'esprit de la folie, vous voyez qu'elle n'est plus normale. Elle mange des poubelles, elle s'en fout même si elle est nue. C'est l'esprit. On a l'esprit de la sorcellerie. On détruit. C'est pour ça que le chrétien, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. On a bien saisi. Amen. À mon nom, ils chasseront les démons. Nous avons eu ce pouvoir et c'est la puissance de Dieu. Nous avons cette capacité de chasser les démons. Je m'avais saisi. Amen. 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 Il ne faut pas condamner. Or, nous avons bien ça dans les églises pour faire le procès des gens. On condamne les gens. Non. L'église doit manifester l'amour, non seulement ça, mais l'église doit délivrer. Parce que ce à quoi nous sommes appelés, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. C'est à ce que nous sommes appelés. C'est annoncer la bonne nouvelle au monde. Là, pour détruire les gens. Mais ne participez pas à la destruction de la vie des gens. Moi, je préfère construire la vie des gens que de les détruire. Les gens m'appellent, ah, mon Dieu, trop. Est-ce passé Désir Champion? Il est Désir, c'est mon fils. Désir Champion, vous voyez. Il a un souci. Dieu l'a touché depuis la prison. Ok, j'explique ça aux gens. Je vous donne votre droit de réponse. Depuis la prison, Dieu l'a touché. Quand il est venu, c'est un artiste. Il a continué sa carrière. Mais en même temps, il était chrétien. Désir, vous voyez là, vous ne savez pas, qu'on ne connaît pas son histoire. Il a fait une formation théologique. Jusqu'à la fin, troisième niveau, là, le truc. Désir a construit aujourd'hui à Yopougon une église de 2000 places. Et les pasteurs n'ont pas encore construit. J'ai la vidéo. J'ai monté ça aux yeux de tout le monde. Je suis son conseiller. Et pas non, et non, non. Je préfère l'aider que de détruire. Aider les gens que de les détruire. Que de les critiquer. Vous ne connaissez pas l'homme. Je suis avec lui pour l'aider. Parce que vaut mieux ça. Que de le reprendre quand il est en erreur, de me rapprocher de lui, d'être toujours à ses côtés pour l'interpeller sur les choses de Dieu. Il a fait sa dernière carrière, son dernier album. En décembre, il fait ses 20 ans de Zouglou et c'est fini. On ouvre son église bientôt. C'est 2000 places. Il faut aider les gens. Et lui, il essaie. J'étais toujours à ses côtés quand il avait toujours besoin de moi. Je l'ai toujours interpellé quand j'ai vu des choses bizarres. J'ai toujours été pris. Frère, aidez les gens à avancer. Ne soyez pas la destruction de leur vie. Ah non, lui là. Non, non, non.
Si tu prêches Jésus, tu m'intéresses déjà. Mais si tu as besoin d'être orienté, je suis prêt à te orienter. Le fait que tu dis, tu n'es plus contre Jésus et tu prêches Jésus, ça m'intéresse de t'écouter. Ça m'intéresse de t'apporter mon aide. Au lieu d'aider les gens soient distants, on attaque les gens. Que Dieu nous aide. Amen. On construit la vie des gens. On ne voit plus l'amour de Dieu dans l'église. Maintenant, c'est une question de concurrence. Amen. Amen. J'ai dit aux gens, j'ai dit, vous m'attaquez. Si moi, pour faire grâce, je suis à Abidjan, j'ai la meilleure église. Je l'ai dit parce que le problème que les gens ont là, Dieu m'a donné la solution. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous allez parler, mais aucun d'entre nous n'apprend pas que vous suivez le village dans son village. Or, moi, quand j'arrive dans le village, je sors que vous fuyez. Mais je peux voir. C'est maintenant, me voir 3 ans en train de ne bouge pas. 3 ans, je suis là. Je rentre dans un village. Tu as mangé au repas, tu vas sortir pour parler. Tu as mangé au repas, tu vas venir parler. On va utiliser d'abord ça. Bon adieu, monsieur. On va utiliser d'abord ça. Tu as mangé au repas, tu vas parler. Qui n'a pas pris une sorcellerie? Tout au final, vous faites là. Mais Dieu m'a dit, sois actif. Je suis actif. Donc on n'est pas la même chose. Je vous respecte. Je parle pas mal de vous. Mais attention, quand on arrive sur ce terrain là, moi je vous gagne 1000 buts à zéro. Parce qu'on va vous demander qui fait le travail, on va vous demander, on va regarder. Où est Abidjan? On va regarder. Moi je m'en vais. C'est ce qu'il dit aux gens. Les gens, ah le prophète, quand j'étais dans le village, vous ne voyez pas qu'il était venu cher. C'est maintenant qu'il prend voiture, voilà Paris, ah le prophète, j'ai vécu dans le village, moi. 3 mois, j'ai gardé sur mon corps. Hein? J'ai participé au développement des Arocos. J'ai vu ça venir. Il n'y avait pas de l'eau. J'ai dit, vous aurez de l'eau. Parce qu'un coin de l'Éternel est rentré dans son village. Vous irez l'eau. Ils ont fait 2 châteaux d'eau. C'est caté. Non, c'est caté. 1, 2. On met fer. Ça, c'est quoi? Le fer, vous voyez là. On met ça sous la terre. À Zaroko. Ça, c'est fond. C'était dans un fou. Vous parlez, est-ce que vous connaissez sorcellerie? Non, ça, vous connaissez aussi? Petit Jean que vous emmène en rêve, vous poussez à ma chaîne, vous avez point de sorcellerie. Regarde ma table, point de sorcellerie. Point de sorcellerie. Ils ont rempli un cimetière 2 mois, c'est plein. Chaque mois, 9 personnes meurent dans ce village. Rassignez-vous, c'est que je vous ai dit là. Demandez, mettez vos propres enquêtes vous-même. On est arrivé dans le village était maîtrisé. Le monsieur qui avait la clé de l'eau, je suis allé le prendre chez lui. Je l'ai pris. Il m'a attaqué, hein? Il n'y a pas de nom. Hein? Il m'a frappé d'aveuglement 2 fois, je suis tombé, je suis avec. Il y a la vidéo. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, fermez vos bouches, hein, puis j'ai chassé. J'ai tombé. Les gens me fuient. Je me lève. Je ne vois pas. Je prie. Mes yeux s'ouvrent. On est encore pour. Je suis sur le territoire. J'ai vu les gars. Oui. Et puis je me suis levé. Quand j'ai fini, j'ai maîtrisé la chose. Amen. Donc j'étais frappé d'aveuglement 2 fois, et puis gloire à Dieu, le Seigneur a maîtrisé, n'est-ce pas, toute la sorcellerie satanique. Aujourd'hui le village est développé, il y a de l'eau. Le mois qui a suivi, une société minière est venue mettre de l'eau. Ils ont de l'eau potable chez eux. On a maîtrisé ça. J'ai une expérience. J'ai quitté Divo à 8h30, 9h. Je suis à Zaroko jusqu'à 1h du matin. Je traverse la route de Zaroko, Tata, venu jusqu'à Divo à 1h du matin. J'ai dormi, je répétais. Parce que j'étais en train de préparer Divo. J'ai commencé dans le village. J'ai préparé Divo. J'avais une voiture Labouna, une voiture très électronique. La voiture s'est cassée, détruite. Et quand on venait ici, on a une maison parce que les gens, on voulait développer le ministère. Et puis on a eu cette maison, on a commencé doucement. Et j'ai eu l'envie, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller en Europe, je suis parti.
Je rentre dans une salle, c'est 3000 personnes. Je suis étonné. C'est le fruit de mon travail. Je suis au village, je vais à Paris, c'est 3000 personnes. Je ne suis pas Abidjan. Je ne dis pas Abidjan. Et puis c'est vous qui attaquez, les dénigrez, c'est vous qui m'attaquez. Je dis rien. Je continue. Parce que le vous répondre, c'est descendre au même niveau que vous. Je suis revenu ici. Je continue mon travail. Plus vous m'attaquez, plus j'ai beaucoup d'amis sur le Facebook. Les gens Toku. Parce que les gens le disent seulement, hein, ils réfléchissent. Plus qu'il y a grâce au réel, ton Toku. Si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne fait pas ce travail-là. Un petit chef n'est pas fait ce travail. Je vous disais, j'ai posé la question, j'ai dit, quelqu'un qui est dans RDR, hein? Et puis on va faire réunion de RDR. Et puis il dit, bon, FPI, où est-ce que chasser de la salle? Sors! Tu es venu parler de quoi? Oui, je connais RDR. Tu es venu, quelqu'un lui, il adore Satan et puis il va parler de Jésus en longueur de journée. Jésus. Satan va pas les frapper. Et puis d'ailleurs, ce qu'il dit aux gens, le messiciste, ce n'est pas la lumière. Tous les fétichés qui m'attaquent sur Facebook, là, YouTube, regardez, et vous allez nous montrer ce qu'ils font qu'on travaille. Non, parce que c'est caché. Or, tout ce qui est fait, c'est à la lumière, c'est visible. Mon bureau, là, tout le monde en visite. C'est pas le travail d'un fétiche. Un travail, fétiche, vous met un drap bizarre, rouge, peut-être noir, bizarre. Vous rentrez lui, vous dites rien. Ça reste, hop, moi c'est ouvert à tout le monde. Ici c'est ouvert à tout le monde. Mon bureau, ça a accès à tout le monde. Les gens savent que depuis qu'on a commencé, ils ont commencé à perdre les clients. Ils ont des clients, nous on a des âmes à sauver. Amen. C'est deux choses différentes. Nous on sauve des âmes. Or, et les féticheurs. Et les marabouts, les sorciers sont camarades. Amen. Tu vas jamais voir un sorcier, un féticheur qui va t'apporter ce jugement. Il dit, j'ai essayé. Or, nous n'essayons pas. Nous, on te délivre au nom de Jésus. Amen. Nous, on te délivre au nom de Jésus. Nous avons ce pouvoir de te délivrer. Jésus dit, nous avons le pouvoir, mon nom, de guérir et de délier les gens. Nous, on te dit, on essaie pas, on te délivre. C'est la différence. C'est depuis que nous on a commencé à parler des bruteurs, c'est quand on dit féticheur, il y a bruteur. C'est vous qui demandez aux gens les crimes. Allez, donnez-moi tel organe humain. Nous on a reçu des bruteurs. C'est ce qu'ils ont dit. Il y a des choses. Je suis tranquille. Moi je pose aussi les questions. Qui vous envoyez? Il y a le nom de plein de monde. C'est les mêmes gars-là qui m'attaquent. Donc, je ne suis pas là pour exposer les gens. Vous n'avez pas vu un homme de Dieu qu'on blesse? Moi, on blesse qu'à mort. J'ai été blessé, ma bouche, tout ça. Casser ma bouche. On veut me tuer. La médiane. Combat, c'est plus spirituel, ça n'a pas physique. Amen. Prophète, casse-le. N'est pas petit chien. On vous a fait. Oh, un vrai chrétien ne va jamais. Il va d'abord regarder comment il travaille. C'est pour ça que je vous disais, quelqu'un qui est. RDR, il va à la réunion de RDR. Et puis lui, il parle de Babou Sola. Il a monté. Il y a des noms qui ne sont pas dans la réunion, hein? Oui. Et ici, là, c'est pas pour Babou. Dès là, c'est ta bouche. On blesse un peu ça. On met Dès là-dessus. Amen. Amen. Donc, ayez le discernement. Un petit chef pas combat son camarade petit chef. Il les protège. Moi, je combats le fétichisme. Ma dernière énergie, ils savent très bien. Comment, quand nous rentrons quelque part, comment nous maîtrisons le fétichisme? Parce que le fétichisme, ça appauvrit l'Afrique. Ça nous détruit. Quand on met un fétiche pour attacher quelqu'un, pour bloquer la vie de quelqu'un, ou même pour bloquer un village. Et ça fait plus des avancées.
Là où il y a la présence, le fétichisme, il n'y a plus de développement. C'est pour ça que nous le ramenons à la parole de Dieu. La sorcellerie est anti-développement. Et là où est pratiqué le fétichisme, il serait difficile d'avancer. Hé, on n'a pas fini. Va t'asseoir là-bas. Mais toi, le sorcier. Alors, c'est toi qui décides de comment tu es délivré ou pas. Allez, dégage, là-bas. Amen. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Mon choix, non? Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, donne-moi. Amen. Amen. Il n'y a pas plus puissant que Jésus-Christ. C'est pour ça que je l'ai accepté. Moi, aujourd'hui, là, j'étais musulman. J'ai fait à l'Akbar. Ma mère est peu malienne. J'étais musulman. J'étais musulman. Je refusais aller à l'église. Moi, toi, me dis, église Jésus, moi, tu es malade ou bien? Et puis, je ne suis pas venu à faire l'homme de Dieu là, parce que j'avais faim. Moi, j'ai gagné ma vie. J'ai fait mes études en Europe, j'ai gagné ma vie. Aujourd'hui, j'ai un diplôme en maître d'hôtel. Je sais bien faire le commerce. Il n'y a pas quelqu'un qui fait le commerce que moi ici. Ça vous fait rire? Mon petit commerce bizarre là, moi j'ai fini ça. Mon papa est commerçant, ma mère est commerçante. C'est dans mon sang. C'est dans le sang. Chaque matin, les gens prennent ma glace, j'allais gagner ma bougie. Ça me donne l'argent. Vous savez pas ça? Donc, l'argent là, je connais. Je ne suis pas venu dans faire des dieux à côté d'argent. Non, mais j'ai payé une maison des gens. On voyait là. J'ai investi dans la société des gens. C'est des choses que je n'ai pas de dire. Parce que la société va bloquer leur affaire. Moi, grâce à Dieu, j'ai pris mon argent. J'ai mis 500 000, 600 000 dedans. C'est des choses que je ne peux pas vous dire. C'est ça l'amour des arts. C'est pour ça que je suis à Abidjan, à Dijon. Parce qu'on n'est pas à Abidjan. On aime l'argent là, bien. Quand on sort là, quand on voit là, c'est les procureurs, les directeurs de cabinet, les temps, les ministres. Il y a des gens qui ne peuvent pas vous dire. Moi, il y a des ministres, non, je vous demande, puis j'ai pris le pouvoir. Ils ont le problème, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pris les sorcelleries. Les grands, les problèmes, c'est sorcellerie. On les bat sans Dieu. C'est là que tu comprends. Ah, le monsieur, lui, on l'a passé. Il peut pas marcher. Il sent des crampes. Quand il bouge, mon pied se bloque. Non, on peut plus long, mais je les marche. Wow. Si c'est sorcellerie, son main est touchée, là, ça c'est règle. Et nous, il y a effectivement, c'est ici. Je parle. Quand je commence à parler, j'enlève le petit, je le gâteau. Dieu m'a donné. Amen. Je suis farouchement contre le diable. Le diable n'est pas quelqu'un qu'on doit servir. Mm-hmm. C'est vrai. Je sais pourquoi il servit le diable. Pourquoi? Je gagne quoi? Mm-hmm. Je gagne quoi? Pas le servant. C'est la misère, l'enfer. Mm-hmm. Moi, je suis venu dans le christianisme quand j'ai vu la puissance de Dieu me délivrer du pouvoir de la sorcellerie. Mon papa est mort. La sorcellerie. Mon frère est mort. Ma soeur est morte. On m'a attaqué mystiquement. J'étais malade. On m'a dit Jésus. Jésus peut me guérir, lui. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'explique les gens. Et pourquoi on va à l'église? Et vous, je suis dans ce moment que je chante. C'est maman qui danse ici. Oui, c'est moi qui danse ici. C'est moi qui danse ici. Ok. Je suis à l'église. J'attends quelque chose. Deux semaines, je ne suis pas guéri. J'appelle le pasteur. Pasteur, je ne suis pas délivré. La même maladie. Il dit, mais est-ce que toi-même tu as la foi? Ouais, le pasteur, les autres choses. Il a dit, mais attends, je suis fils de musulman. Je vais venir m'asseoir à l'église comme ça, je suis malade ou bien. Oh, il m'asseoir devant, quand il m'a à l'église, c'est devant comme ça, je suis à me voir.
Comme ça, le Seigneur va me voir. Même si je suis derrière, il dit de me louper. Ah, c'est pas bon, allez derrière. Ah, qui est bête. J'ai demandé, mais Jésus. Moi, je voyais Jésus comme Noël. Noël, Père Noël. On voit Jésus dans la crèche, Marie. Il est né à Nazareth. Jésus bébé. Il est vivant. Je ne vois pas quoi. Et puis, il lui guérit. Ah, vous aussi. Prenez-moi au sérieux. Ok. Je t'ai appris. Deux semaines. Le pasteur dit non. Est-ce que tu as la foi? Il dit, pasteur. Moi, j'ai trop la foi. Moi, je ne suis pas né pour venir à l'église. On m'a fait battre, on a rasé mes cheveux. Comme on a rasé, tu me pacte avec l'islam. Ils ont arrangé mes cheveux. Tout musulman, bébé musulman, quand il battait, on a arrangé mes cheveux. Tu es témoin de ce que j'entends de vous. Tu es dans une église, tu es témoin de ce que j'entends de dire. Moi, je suis né dans une famille musulmane. Dieu est témoin, je suis devant lui que je parle. Alléluia. Il dit, moi, je ne suis pas né pour venir à l'église. Et Maria dit, oui. Mais mon seul problème, tu connais où? Ah! Sans celui de manger, sans stérilité. Ils m'ont transformé à goûter pour manger. Je suis là. Le pasteur n'est pas ok. Je n'ai même pas guéri, mais je ne suis pas guéri. C'est pour ça que je t'interprète. Je ne suis même pas guéri. Important. Si j'ai appelé Dieu là, il y a le paradis, l'enfer. Oh, je connais ça. Moi, je sais que le paradis existe, paradis, l'enfer existe. On a cessé dans le courant. Mais c'est pas nouveau pour moi. Que si tu meurs avec Jésus, tu vas tout pour moi. Non? Ah bah, au paradis, le pasteur. Tu veux aller quoi? Au paradis. Mais le pasteur, le paradis m'intéresse pas. Non, non, non. Je ne suis pas venu pour l'église, pour aller au paradis. Pourquoi tu as voulu que les sorciers me mangent dans le paradis près du Seigneur? Pourquoi? Et ici d'abord. Il y a trop de bonnes choses pour aller vivre près du Seigneur. Oui. J'ai fait quoi pour aller près du Seigneur? Seigneur, prends son âme. Amen. C'est que vous mangez, il y a mangé aussi. Chacun va rouler dans une belle voiture aussi. Et puis d'abord ma vie, ben Jésus sur le chemin, la vérité et la vie. Jésus c'est la vie. Ceux qui ont la possibilité de avoir une bonne voiture, ils vont rouler dedans. Il n'y a pas de voiture au ciel. Je suis désolé. Je ne vois pas ça comme péché. Ah, tu peux rouler une bonne voiture. Roule. Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. Il faut payer les bonnes choses chez toi à la maison, c'est de luxe, c'est pas un péché. Dieu, c'est la sanctification, Dieu est propre. Je n'aime pas les gens qui sont bien, qui sont sales à l'église. Dieu est propre. C'est pas un péché. Non, c'est-à-dire, Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Même pour Satan. Toi, ton papa a l'or et l'argent, puis tu te regardes, Gagora, tu sens. Il ne peut même pas pédicure. Derrière la déchirée à pied qu'à ta main. Ton pied à ta main. Non, ta main, elle est pleine. Parce que nous, on appelle ça ta main. Ça a loupé ta bouche et venir sur tes pieds. Derrière, quand tu parles avec eux, tu fuis. Odeur de la bouche. Il ne peut pas aller pour. Oh, très près à réfléchir, il y a pour 25. Il y a très près 50. Viens vous regarder, ils ont peur, on est des fétichés, ils ont peur de venir à l'église. Il faut être propre. Ah, je ne fais pas ça. Je ne suis pas venu dans le Seigneur parce que j'étais malade. Je suis venu, j'ai vécu dans le luxe. Maman, je viens à Jésus. J'ai dit aux gens, j'ai dit si Jésus ne bénissait pas les gens, moi, il n'y a jamais reçu. Non, 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 pourquoi je suis. Et puis elle est dans Jésus, moi j'ai roulé dans la voiture qui est bizarre. Et puis elle est chez moi, c'est les souris ont percé le fauteuil. Je viens coucher, et puis moi je suis venu changer. Une fois mon fauteuil est déchiré, je change. Le bien-être, c'est la chrétienté. Il faut vivre bien.
Tu es chrétien, tu demandes à Gina. Par contre, c'est il n'y a pas de vitamine. Il y a peut-être quelle taille de vitamine dans ta guina. Moi, ta guina sera possédée. Moi, mais sont secs. Il faut bien préciser. Moi, mais sont secs. C'est faux. On appelle ça moi. Sec. Ta guina. On a Dieu, on est propre. Quand on regarde, on a vu des nouvelles bonjour. Tu sens bon, tu es propre. Chez toi, c'est bien. Ça sent de la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est tout. Mais tu dis, je suis chrétien, t'attaches un foulard, t'es votant pour de rien. Quand t'enlèves, je vois la hauteur, tu mets nos pieds. Tu mets même pas shampoing dedans. Comme si c'est péché. Il ne met pas bouderé quand c'est péché. Mais il y a quelle différence, toi, moi, garçon et toi, femme. C'est bouderé. Oui. Garçon ne porte pas bouderé, toi, tu ne peux pas bouderé. Si on est à la maison, comment nous confondons tous? Amen. Donc, je dis au pasteur, le ciel ne m'intéresse pas. Je vais pas je m'en fous du ciel. Venez aussi, il va me manger, je vais aller au paradis, près de Dieu. Je suis malade, oui. Moi, j'ai envie de mourir. Parce que j'ai envie de mourir, je suis venu à l'église. Il y a quand même à l'église, dans le nez de Jésus, puis toi, j'ai envie de me manger. Ça passe dans la même attitude, tu veux quoi? Moi, j'ai quitté l'église. Moi, il ne me laisse pas séduire. Hein? Quand vous ne connaissez pas l'histoire, de... non, mais pour... je... est-ce que moi, il t'a appelé à être à l'église? J'ai créé une religion. Je suis venu me délivrer, mais tu ne peux pas me délivrer, je suis toi. Il y a quand même m'asseoir sur ton banc. Assemblée, ouvre le Seigneur, il est vivant. Hé, hé, moi. Hé, hé, hé. Hé, hé. Puis moi, j'ai dansé tous les dimanches. Puis tu n'as rien fait pour moi, j'ai dansé. Non, je suis. Nous aussi. Et tout est l'église. Il faut quoi là-bas? Je cherche sur les choses, il n'y a pas. Il faut quoi là-bas? Mais je vous dis, je ne suis pas né chrétien. En fait, moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne pour dire non, je choque les gens. Non, moi, je trouve ça normal. Parce que je suis venu pour être délivré. Tu me dis, il y a un galet au ciel. Je te dis, je ne suis pas prêt. Tu n'es pas le ciel? Mais je suis jeune, j'ai trop de projets. Puis aller près du Seigneur comme ça. Pour mourir. Or, lui, veut que. Or, je suis en train de manger. Il dit d'accepter. Frère, ne permettez pas aux gens d'influencer votre foi. Est-ce que vous m'avez saisi? Oui, parce que quand on est chrétien, c'est la foi. La chrétienté est basée sur la foi. Or, la Bible dit que le juste, ce n'est pas l'entendement d'un pasteur. Ce n'est pas un révérend qui va venir te dire quoi que ce soit. Ce qui doit te faire vivre, c'est ta foi. Ta foi te dit quoi? Amen. C'est ce que Jésus a dit à Bartimée. Tu entends les crier, tu cries. Mais ta foi te dit, Bartimée, tu veux quoi? Mais voici maintenant, Bartimée, tu veux quoi? Je le tourne la vie. Que cela soit fait selon ta foi. Amen. Pas parce que tu as crié. Moi, ma foi dit être guérie. Toi, tu dis ma foi, ta foi égale au paradis. Je dis quoi? On n'a pas les mêmes moyens de voir la vie. Je ne suis pas prêt pour le paradis. Je suis désolé, monsieur le pasteur. Je suis désolé. Moi, je cherche à vivre. Toi, tu veux aller près du Seigneur. Le Seigneur n'a qu'à attendre. Et quitter l'église. C'est une des cousines, une des camarades de ma cousine, celle qui m'a évangélisé, qui a dit, viens. J'ai dit, moi, tu veux parler de quoi? Arrête de me parler de votre histoire de Jésus. Ça ne m'intéresse pas. Elle m'a dit, non, c'est pas fait de Jésus. J'ai dit, moi, Jésus, il a échoué dans ma vie. Voilà. Il a déjà échoué, donc ça ne m'intéresse pas, cette histoire de Jésus. Elle va, ok, je peux te parler, ok, je t'écoute. Mais aller à l'église, si tu veux me prendre pour aller à l'église, tu vas me miloter, m'enchaîner. Hein? Je cherche à connaître l'histoire de quelqu'un que je vis. Attendez. Oui? Elle dit, est-ce que je peux te dire quelque chose? Je t'écoute. Je suis prêt. Ben, il les voit deux à l'église, à Bible.
Le Seigneur est merveilleux, les deux sont à l'église. C'est maintenant Yeshua. Aïe, moi, Yeshua, enfin. Yeshua allait voir, il a fait des mythes. C'est dit, je voulais, il n'y a pas gain. Toi, mes amis là-bas. Non, non. Moi, je ne me mets pas dans une affaire qui ne soit pas convaincu que la chose là, c'est bon. Elle dit, bon, je te dis une chose, fais une expérience avec Jésus. Je dis, ah, tu dis quoi? Jésus. Que Jésus n'a qu'à te montrer ceux qui sont à la base des problèmes. Est-ce que Jésus peut me montrer? Est-ce qu'il est vivant? Parce que moi, ils l'ont crucifié, c'est fini, mon Dieu. C'est fini, il est parti, ils l'ont tué même, il est mort. C'est fini. Je dis, oh, vraiment, oh, ok. Bon, ok, là. Il n'y a pas le choix, donc je vais essayer. Bon, aller au Mali. Mon papa envoyait tous les marabouts, on a bu Nasiki. Nous, on était experts en buveur de Nasiki. Il n'y a pas une semaine, mon papa Nasiki. On a connu les Béninois, les féticheurs béninois, les sorciers, les marabouts qu'il avait, maliens, tout chez nous. Parce qu'on va appeler la sorcellerie. Ils l'ont tué. Il a fait tonneau. Après ça, il a échappé. Il est venu encore, ils l'ont tué. Mon papa sous les yeux, il est mort. Mon papa, lui, on me tremble, il est mort. Mon papa, ils l'ont tué d'une mort mystique. Donc moi, j'ai dit, comment? J'ai essayé. Parce que le grand. Monsieur qui a envoyé les marabouts sur mon papa, ils l'ont tué. Qu'est-ce que je peux faire? Donc j'essaye. Mais je n'avais pas foi en ça. Je faisais une prière banalisée. Je lui ai dit, si tu es vivant, Jésus, comme on l'a dit. Comme on le dit, montre-moi les gens qui sont à la base de mes problèmes. Je ne suis pas quelqu'un pour dire amen. Amen. Non, je ne suis pas chrétien, non, je ne dis pas amen. Vous êtes des vrais chrétiens, hein? Vous êtes amen partout. Vous êtes prêts à dire amen partout. Je n'ai pas quelqu'un vous dire amen, vous dire prier, puis dire amen à ça. Montre-moi, je banalise, je dors. Dans la semaine, trois jours après, dans le rêve, je vois les gens, je vais au funérailles de mon papa. Vous savez? Dans les familles, on sait qui est sorcier, qui n'est pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Dieu vous éclaire. Or, quand quelqu'un commence à dire, ah, j'ai vu telle personne qui est sorcier, il sera attaqué par la famille. On dit que si tu en sais, ouais, si c'est mon papa, il y a longtemps que j'aurais mangé. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça dans la semaine. Il dit, tu ne connais pas la sorcellerie. Ça ne veut pas dire manger. Il dit, ah, il dit oui. Ça veut dire gâteau aussi. Il dit oui. Ça veut dire gâté. Il ne mange pas, hein. Mais quand on arrive à son tout, il prend son fils qui devait devenir directeur, il gâte son argent. Il dit, c'est ce que vous savez de la sorcellerie. C'est pour ça que les sorciers continuent de vous détruire. Vous pensez que c'est manger seulement. Regarde comment la personne finit. Or la Bible dit, la fin d'une chose, vous voyez son commencement. Comment la personne finit? Vous n'avez pas mangé, mais vous finissez mal. Parce qu'on a vendu ça. Or, c'est comme une administration. Si on n'a pas mangé, l'administration, le fichier qui est calé là, c'est que c'est les petits enfants qui doivent payer ça. On n'a pas mangé, mais les enfants, vous allez voir qu'ils vont penser à mourir, les enfants, les petits enfants. Parce que ça a été comme ça. Parce que c'est la programmation. C'est comme une administration. Mais nous demandons, nous allons vous expliquer avec les sorcelleries. Ah, non, ce moment-là était dedans, on a tous compris. Mais est-ce que vous avez tous reçu? Vous avez reçu. Sorcellerie, ce n'est pas fait de manger seulement. Il y a quatre dedans. La Bible dit, Jean 10, verset 10, le voleur, on ne le prend comme le voleur, ne vient que pour voler, égorger et détruire. L'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 10. C'est ça, quand vous avez affaire à la sorcellerie, ne jouez pas avec ça, réglez le problème. Je vous comprends quand vous déplacez, vous venez ici. Je comprends les gens qui prennent les avions pour venir ici. Je comprends. Parce qu'on ne joue pas ça. Amen. Les sorcelleries, c'est très cher. Amen. Amen. Et le monsieur me disait, non, je ne vois pas que mon papa est sorcier.
On appelle ça avocat du diable. Moi, il m'a dormi, je sais où il m'a dormi. Mais ton papa, tu sais où il s'en va la nuit. Il n'a pas même te dit, il a voyagé. Il a dit bonjour, tu sais où il est parti la nuit. Donc, quand vous ne maîtrisez pas une affaire où vous pesez, ne prenez pas parti. Et puis, vous ne dites pas non. Vous pesez tranquillement. Et puis, laissez Dieu. Tu vas révéler quelque chose. Or, celui-là, c'est là pour pas attaquer. Et on ne prend que les mauvais. Or, vous savez, Dieu dans sa souveraineté, il y a une personne qui va savoir des choses. Or, comme dans la famille, il y a deux clans. Il y a toujours les gens qui sont pour et puis il y a les gens qui sont contre. Et dans vous dire, vous allez beau parler, ils ne vont jamais te soutenir. Parce que la sorcellerie fait quoi? Fait un travail dans l'envoûtement, dans l'esprit des gens. À point qu'il y a un esprit, la conscience morte. On parle de ça, ça ne vous dit rien. Il n'y a pas de famille où il n'y a pas de sorcier. Je vous donne l'information aujourd'hui. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorcellerie. Mais ah, pourquoi tu exagères ici? Parce que la sorcellerie, c'est comme l'héritage que nos familles ont laissé. Amen. Amen. On me suit un peu. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vois les. Je les ai vus dans les rêves. Ils m'ont pourchassé des gens. Or, ces gens sont posés. Il y a quelqu'un qui vient au funérail. Et puis lui, c'est que le défunt a laissé là, c'est ce qui l'intéresse. Pas les enfants. Vous avez comment on dit? Vous avez quoi? On dit, c'est un héritier. Ok. Héritier de quoi? Tu n'as pas prendre un nom. Mais tu viens prendre quoi? Non, c'est comme ça. On dit, bon, non, on ne veut pas. Toi, tu n'as pas enfant, oui. Tu as 10 ans en plus, il est mort chez l'un du village. Mais c'est vrai, les gars vécu, ils sont morts, je les voyais bizarres, ils ont les chemises de Gargamel. Vous connaissez les chemises de Gargamel? Vous vous expliquez? C'est une colle qu'ils portent là, c'est bouffé partout. C'est ça. Et puis, il est abonné à Tokolo. Vous connaissez Tokolo? On appelle ça Zaza. Un gars bizarre, quand vous regardez, il peut prendre ton héritage. Il a fait. Avant que toi tu ne manges, déjà rassasié. Il faut qu'il soit rassasié pour te jeter un peu. Donc on lui dit, ah, quand on regarde le monsieur là, c'est quelqu'un qui a fait. Donc on ne fait pas là. Parce que l'héritage doit revenir directement aux enfants. Je suis contre cette histoire de votre tradition où c'est le neveu qui doit hériter, c'est de la sorcellerie. Moi, si mon papa, heureusement, ils sont morts, mais si c'est ton hérité qui doit t'hériter, même 5 francs, je ne donne pas. Parce que je ne trouve pas d'intérêt. On n'investit pas dans n'importe quoi. On investit là où on a un intérêt. Parce que quand on est conçu la parole de Dieu, on n'est plus dans notre tradition. Notre village, notre tradition, c'est la parole de Dieu. Quand le chrétien dit chez moi, c'est la parole de Dieu. Je peux aider un père. Mais le père, dans son esprit, son héritier, chez son neveu. Même si un frère, je te donne plus. J'investis en toi, pourquoi alors? Parce que quand un père meurt, l'héritage doit être directement aux enfants. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Et ça reste dans la famille. Mais tout ce qu'on investit, ça va ailleurs. Saint-Jean, je ne trouve pas. C'est le frère, le neveu sorcier va t'attaquer. C'est pour ça que réveillez-vous. Convertissez-vous. Donnez-vous à Jésus. Travaillez pour que votre enfant bénéficie de votre héritage. Vos enfants. Vos biens appartiennent directement à vos enfants. Amen. 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 C'est ce qu'on a vécu. Et c'est les prêtres, les imams qui ont dit non, ceux-là sont musulmans. Tout ça. Puis les gens disent bon, ok, on va voir. On dit non, ils vont nous laver. Or, c'est là qu'ils attrapent les gens pour manger. On a réfugié. On va au village. La première fois, il va être au village. J'ai ma bouteille d'eau et mon sandwich dans la main.
Quand tu veux me dire bonjour, je mange. Tu attends ta mère comment? Dans la vie, tu n'es pas riche, tu as envie de mourir. Il y a deux stratégies où tu manges la nouille d'empoisonnement en te donnant la main. Vous ne savez pas les choses. Dans la vie, il faut être très intelligent. Le territoire où tu es parti là, toi-même, tu es convaincu qu'il y a les sorciers. Ils ne doivent pas attaquer la nuit, non? Mais ils vont t'attaquer physiquement. Toi, il y a mon sandwich. Et un sourire, le vieux. Bon, je dis bon, bonjour. Tu vas te forcer ma main. Il dit, mais pourquoi? Hein? Bonjour, pas bonjour. C'est main à tes chèches. Sorcier. Viens l'attaquer en même temps. C'est mon sandwich. Il m'a bouteille d'eau. C'est mon sandwich. Quand on a fini d'appeler notre papa, c'est un vendredi, pas. On a quitté le village. Carnage dans la famille. Quand il y a la sorcellerie, les gens meurent en cascade. Les morts, ce qu'on appelle les morts prématurées, vous êtes convaincu que cette mort-là n'est pas naturelle. Donc on ne baisse pas les bras. Pourquoi tu baisses les bras? C'est ce qu'on appelle les morts mystiques. Moi, je ne suis pas venu sur cette terre pour être dernier de la société. Je suis désolé. Amen. 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 Mais si tu ne fais rien, tu seras dernier. Parce que la vie est de combat. Dieu le cherche. Si ça ne va plus, laisse tout et viens chercher Dieu. Si ça ne va plus, laisse tout. C'est l'image de Jacob qui a tout laissé et qui a rencontré Dieu une nuit. Il dit, je t'endors la paix à prière parce que j'ai vu Dieu face à face. Amen. Dieu ne viendra plus vers nous. Je suis désolé. Parce qu'il a déjà fait dans le jardin. Quand il est venu dans le jardin, l'homme s'est caché. Il dit, où es-tu? Il dit, je suis caché. Parce que je suis nu. Ça, il a dit, approchez-vous de moi. Je m'approcherai de vous. C'est nous qui devons nous approcher de Dieu. Et il ne veut pas fournir d'efforts. Il veut que Dieu le bénisse sans effort. Vous avez menti. Dieu lui-même, pour sauver l'humanité, il a payé un sacrifice de la personne de Jésus. Quelle est ta part? Le sacrifice, c'est venir ici, dormir sur terrasse, moucher des piques un peu. Ou la fraîcheur. Heureusement, il y a fraîcheur aussi. Vous avez toujours quelque chose à dire. Vous n'êtes pas moussé, c'est fraîcheur. Il fait chaud. Il fait chaud. Il y a toujours quelque chose à dire. C'est tout ça qui est sacrifice. Il n'y a pas une bénédiction où on n'a pas de prix à payer. Toujours il y a quelque chose à payer, compris. Vous voulez que Dieu vous prenne comme ça, vous allez asseoir. Voilà mon fils, ça va? Et puis un or, j'ai quelqu'un. Oh, vous avez menti, hein? Quel est l'effort que tu as fourni? C'est ce que Dieu regarde. Tu as fait quoi pour être payé pour avoir un enfant, pour avoir un miracle? Il y a un prix. La femme s'est levée pour aller attraper Jésus. Elle est son miracle. Le miracle, on se lève pour partir vers le miracle. On ne s'assoit pas. Si tu réfléchis, tu vas avoir migraine. Migraine, tu vas avoir cancer de cerveau. Et ça va te tuer. Lève-toi. Et tu cherches Dieu. Dieu, on le cherche comme on cherche l'argent. Si le nord va à l'avant, quand on dit Dieu, tu dis quelqu'un, il faut aller, il ne faut pas te cacher. Il ne faut pas avoir peur. Et chacun son don. Chacun son don. Ils vont te demander, va voir le spécialiste. Lui, c'est un cardiologue. Lui, il est là pour le cœur. Si tu as fait un généraliste, tu es mort. Hein? Ok, merci. Si tu as fait un généraliste, tu es mort. Parce que lui, il va pas scanner. Il ne sait pas ce qui se passe. Hein? C'est fini maintenant. Merci. Si tu es un généraliste, tu es mort. Alors, il faut tomber sur le spécialiste. Dieu, amen. Amen. Tombe sur le spécialiste. Quand tu tombes sur l'homme qu'il faut, ton problème se règle. Amen. Amen. Mmh. Non, ne fait que ça. On dort, le temps se réveille dedans. Ah, le prophète Rassou lui-même, ça fait des sorcelleries. Il dit, bon, toi tu ne combats pas ça. J'ai dit, combat qui là-bas? Qui dans quelle église où il n'y a pas sorcier qui attaque quelqu'un? Non, lui-même, il ne fait que parler de sorcellerie. Mais toi, tu ne parles pas de sorcellerie, c'est lui qui traite Satan. Mm-hmm. Nous,
devons dénoncer les œuvres du diable. C'est à ça que nous sommes appelés. Quelle famille sur cette terre, il n'y a pas sorcier, il y a africain, Les blancs même, sur ce débat-là, même là, eux-mêmes vont bouger quand ils me rencontrent. Vous ne croyez pas la sorcellerie? Non. Pourquoi vos parents, ton grand-père, a tué sorcier? Donc, on les a tués comme ça. Cadeau. Maintenant, c'est ressaisi. Il y avait une cause. Il y avait quelque chose qui faisait que les gens les tuaient. Ça part, c'est pas une journée, c'est 3 siècles, 300 ans. Il aurait dit arrêtez de nous distraire. Vos distractions là, on a compris. Vous n'oubliez pas que nous, on se débarrasse de nos sorciers. Vous avez brûlé pour vous. Vous êtes bénis. Vous construisez l'avion. Or, vos sorciers, ouais, là, ils vont à Paris en 15 minutes. Ça, t'as le temps de partir à l'aéroport, Félix me voyez, à Paris, 6 heures. Il y a secousse dans l'avion. Tu as peur un peu. Tu pries un peu. On appelle ça la zone de turbulence. Quand tu vas tout nouvellement, tu prends l'avion, tu as peur un peu. Hein? Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Avion, c'est un miracle. Hein? Mm-hmm. Tu es dans l'avion qui descend. Gloire à Dieu. C'est pour ça que quand ceux qui prennent l'avion sont élevés, hein? Là, ça vous choque. Je ne peux pas vous choquer. Mais tu es monté dans l'air. Ton esprit dans l'élévation. Amen. Et la révélation vous donne. Pourquoi les gens, ils aiment bien voir les bénis? Parce que Dieu, il élève leur esprit. Mais c'est la vérité, je vous dis la vérité. Traverser l'air, les airs. Tu regardes, il quitte un moment donné, il plane sur les nuages, il quitte la terre, il plane. Tu dois passer par là. Dis amen. Amen. Tu dois passer par là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, on a tout ici, on a l'argent. Et puis, heureusement, leur argent aussi, c'est quand c'est congelé. Quand tu envoies ici, tu digères ça, tout ça. C'est pendant beaucoup d'argent. Les 50 euros, ça fait 32 000. Même 50 francs. À Tchéquie, ça ne peut pas manger. Même l'enfant ne peut pas manger ça. Ok. Je disais, un italien, un blanc italien. Et dit, le jour où vous allez changer la monnaie, votre héros, là, ça va devenir héros de l'Afrique. On ne va jamais aller chez vous. Il est là, il dit, il a où vous allez quoi dire? Jolie maison, c'est ça, on mange. Hein? En tout cas, la main, c'est joli. C'est la vérité. On ne chèque pas. Toi-même, tu as caché et puis tu regardes. Tu vas mettre. Tout est joli. Toi-même, tu es vaincu la saleté. Tu vas dans ta voiture, tu cherches poubelle. C'est comme ça. Ils sont très bien éduqués. Tout est joli. On ne vient pas rendre visite. Vous dites, Manasse, ça va? Hé, je vais chez toi ce soir. Hein? Chacun travaille. Ou bien dans l'escalier, tu causes. Madou, si tu as rencontré ton frère, là, t'es mal. On va te demander ton grand-père, ça va, ta grande soeur au village. Oh, tu es pressé, tu vas au travail. Là-bas, c'est l'heure, le temps, tout est maîtrisé. J'ai dit, si vous dites que les gens meurent dans la Méditerranée, ça coûte de l'argent. Ou bien, regardez. Si tu vas en Europe, tu ne mets pas poc. Tu vas manger. Ton totem là. On est là-bas à Lagi, il m'a époque. Tu dis, tu m'as pas pour toi, mais quoi? Pâté de porc, pâté de saucisson. Au départ, tu as dit non. Après, quand la galère va te frapper, tu as dit ça fout. Tu manges un sandwich. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. J'ai quelqu'un qui va te bénir. Amen. J'ai quelqu'un qui va te bénir. Alléluia. Moi, je contente mon histoire, je parle dans mon histoire. Et je vois dans le rêve les 6 personnes qui m'ont pourchassé, ils m'ont rattrapé. Ils m'ont rattrapé dans le rêve.
On me rattrape dans le rêve, j'ai reconnu cette personne. On m'attache à un arbre, chacun prend une lance. Il me faut faire le poumon. Puis la lame au bout là reste à mes poumons. Donc trois ici, trois, puis je me suis réveillé. Une heure du matin. C'est qui je vais voir. Et ce que j'ai vu là, on m'a dit que les sorciers. Donc matin, je n'ai plus dormi. Et j'ai vu, mais si je dors, je ne vais pas mourir dans le rêve. Mais dans le rêve, c'était piqué. Et puis, je me suis réveillé. Donc, vous voyez, comme ça, il n'y a plus bis. Je n'ai plus avoir bis de rêve. Non, mais tu es assis. Tu ne dors plus. Maintenant, si tu es en bis, là, tu es mort. Je cherche à voir la fille. Ce que tu m'as dit là, j'ai fait, mais moi, est-ce qu'il a vu? Elle dit, ok. Tu connais un parent, encore, tu m'as dit oui. Pour voir le parent, tu peux demander le nom des gens que tu as vus. Effectivement, il y a bien vu les gens. Et je l'appelle, il dit, mais tu vas fouquer les gens. C'est des sorciers. Donc, il confinait. Il dit, c'est des sorciers. Donc, il confirme. C'est ce que je voulais entendre. Donc, je le coince. Il dit, non, il ne met pas le nom. Ou même pas que je sois en contact avec lui. Mais je viens bientôt. J'ai porté les pieds, mon côté les chemises, les petites trucs. Il m'a regardé bien, bien côté. Donc moi, je ne suis pas dans le fait de palade, je mon papa, non. J'allais les saluer. Il faut faire attention, hein. C'est le sorcier. Il dit, mais ça fait quoi? Ils vont me faire quoi? Il m'a donné les noms. C'est tout ce que je voulais. C'est qu'il y a eu mon deuxième comment. Il dit, maintenant, non, il fait quoi? Il faut prier. Je n'ai pas prié. De toute façon, le fait. Moi, je n'ai pas prié. Dieu a fait bien. Ne l'attaquez pas, sinon vous les connaissez très bien. Bon, je dis, mais bon, monsieur. Hey, je passe ça. C'est nous, on pardonne, moi. Tu as fait ça. Voilà l'Arabie Saoudite qui dit, voici le Coran. Vous êtes vaincu, puis tu brûles. Oh, les menus qui suivent, toi, mais t'es calciné. Vous savez pas ça? Si. Les musulmans, ils s'amusent pas avec leur histoire de trucs. On a fait même un dessin de Savoy, caricature, un dessin de Mohamed. Ce qu'ils ont montré à Charlie. Et il faut les laisser tranquilles. Amen. Amen. Donc, j'ai le nom de tous mes parents. Ces sorciers-là, mes sorciers qui mangeaient mes poumons. C'est une réalité. Le monde astral existe, le monde spirituel existe. Il est possédé. Mettez-la derrière. Dépression mentale. Je sais. Mettez-la derrière. Ça nous embête, s'il vous plaît. Ça nous embête. Amen. On suit ici. Ici, là, c'est clinique, hein. Mais clinique spirituelle. Si c'est clinique spirituelle, il y a des gens qui sont bizarres. On les envoie ici pour que Dieu les. C'est ton collègue. Il est aussi toi. Il t'aime pas? Si toi. Est-ce qu'on bébé pour le toucher un peu? Oui, non. Elle a jeté le. Il n'y a pas l'amour dans leur cœur. Non, mais à moi, ça me fout. Hey, ça chope. Ta frère avec elle, t'es raide. Regardez que. Oh, elle est le pays. Je vais le prendre. Elle a réglé ça. Je ne connais pas le lit. C'est mon épaule là. Non, mais c'est un problème. C'est mon épaule qui a venu dans le lit. Chacun est venu, c'est pourquoi il est ici par exemple. Petit. Chacun sait pourquoi ici, hein? Quand il dort, elle ne dort pas, elle réfléchit. Comment elle va s'en sortir dans un problème? Amen. Donc, elle me donne les noms, et puis elle me dit, non, je ne sais pas prier. Donc, du coup, elle me dit, prends le psaume 35. Je ne connais pas, c'est la première fois que j'ai ouvert la Bible. Je vois les psaumes, et puis je commence à prier. Elle y parle, la nuit, tu te balades, tu récites. Et j'ai plus mes expériences à marcher. Donc, j'essaie deuxième expérience. On aborde l'autre semaine, on me dit,
Mon nom m'appelle Bouddhi. Le monsieur qui le vieux là, il est mort. Dis-moi ce qu'elle vient me dire le nom. Tu as dit, tu allais envoyer cette fille, il n'a pas eu la chance. J'ai dit, Donc Jésus qui ceci. C'est là venue ma foi. De concevoir la grande foi en Dieu. Qui va laisser ça? Il faut commencer, il y a mort dedans. Je continue, mort. C'est comme ça les six personnes sont mortes. Moi, je ne suis pas venu pour dire je suis maréchal. Et puis, il vient à l'église, j'attrape Bible. J'attrape Bible parce que j'ai vu ce qui est dans le fait de Jésus. Amen. Amen. Je sais ce qui est dans le fait de Jésus. Et puis, j'ai vu Jésus qui m'a visité une nuit en me donnant l'onction sur ma vie. Il dit, toi, je t'appelle à être prophète. C'est pour ça que je commence à servir. J'ai vu Jésus dans ma chambre. Dans l'oreille, ma main. J'ai vu lui sur mon drap, sur mon matelas. C'est pour ça que je suis devenu prophète de l'Éternel. Donc c'est pour ça que j'écoute sa voix. Là où me demande de partir, je m'en vais là-bas. À mon soleil, à mon soleil, à mon soleil. C'est toi qui m'as choisi. À mon salle, c'est toi qui m'as choisi afin d'aller, n'est-ce pas, annoncer la bonne nouvelle du royaume. À mon salle. Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Allez, vous assurez pour vous.